Yass, on les a baisés, putain, c'est bon, ça. Super, Yass. Et ouais, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, ça c'est extraordinaire. Allez, l'arbitre. Petit mais costaud. Petit mais costaud. On n'a jamais chaud. On n'a jamais chaud. Hey, le VHM, hey. La voilà, la magie de la Coupe de France, passée en un seul match, du rêve à la réalité. C'est que du bonheur, en plus ça partage avec le public comme ça. Tout le monde était présent pour nous et ça nous fait chaud au cœur. Mais on mérite parce qu'on a fait un super match. Et il y avait tout le stade derrière nous. Et voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on s'en souviendra. Et un rendez-vous en demi-finale ici, je pense. C'est ça la coupe. On peut pas y croire, c'est énorme. C'est énorme pour nous ce soir. Pour tous ces gens, je suis super heureux. Super heureux. Et pourtant, ce quart de finale a semblé interminable. Une première mi-temps rythmée, les Herbiers osent, tirent, mais manquent de chance. C'est au retour des vestiaires que l'inquiétude gagne le supporter de la Beaujoire. La deuxième mi-temps, les prolongations, on a énormément souffert, on a reculé. Ils nous ont poussés dans nos derniers retranchements, mais les garçons se sont accrochés, ils ont fait quelque chose de fabuleux et le mérite en revient à eux. Des prolongations, on ne retiendra pas grand-chose. Mais à l'heure des tirs au but, chacun retient son souffle. Le ballon de Kevin Rocheteau est stoppé par le gardien lensois. Peu importe, le foot, c'est un sport collectif. Et le gardien Mathieu Pichot est là pour prendre la relève et devenir un héros en arrêtant deux tirs. Je sais quel côté je vais choisir. Après, j'essaie de donner aucune indication au tireur pour pas qu'il change au dernier moment, justement. Et puis, bon, et puis après, je pars à fond de ce côté-là. Et puis, voilà, je l'arrête. Là, c'était bien. L'heure de la délivrance. À ce moment-là, c'est toute la Vendée, tous les supporters qui exultent de joie. C'était impensable. Et on y est. Donc c'est merveilleux, c'est un rêve. C'est une belle leçon. Ça veut dire qu'en fait, en Coupe de France, tout est possible quand on a du cœur au ventre. Happy End, le petit poussé a bien mangé l'ogre.